mannequin, actrice et top modèle. J'ai choisi d'être une mannequin parce que cela a toujours été mon rêve à bas âge. J'ai débuté en faisant des élections de Miss en 2017. Mon fiancé m'avait proposé de me marier avec lui et j'ai, en échange de que j'abandonne le milieu de mannequinat, et évidemment j'ai choisi d'être mannequin. Ah, mon premier défilé a eu lieu le 27 février à l'hôtel Grazia Maria à Salé. J'avais ressenti un énorme plaisir d'avoir participé à cet événement. Le plus grand événement, c'était mon premier défilé le 27 février. Je me lève tôt et prends mon petit déjeuner, ranger toutes mes affaires nécessaires que je dois utiliser. Une fois arrivé dans les coulisses, ensemble les mannequins, on commence à se maquiller, ranger nos chaussures et attendre les stylistes pour nous donner nos tenues. Je marche sur le podium. Là, je sens quelque chose. Ouf. Les bobards qu'on raconte derrière nous, hein, ça c'est le plus dur. Je serai une grande basketteuse, hein, très connue partout dans le monde. Mon idole, c'est Fleur Mbaye, parce que j'aime son style, sa façon de dégager, son assurance, j'aime tout chez elle. Mon plat préféré, Yassa Poulet. Ma musique préférée, les sons d'Américains. Ça commence à pénétrer. Parce que d'un côté, il y a les mannequins, qui ont beaucoup de talent. D'autre côté, il y a les styles qui créent des choses vraiment extraordinaires. Et s'il y a de la fusion, ça a autre chose. Bon, la plupart des gens croient que si tu intègres le milieu mannequinat, si tu es un homme, on dit que tu es un homosexuel. Si tu es une femme, on dit que tu es une prostituée, alors que tel n'est pas le cas. C'est un travail comme les autres. C'est comme un professeur qui se lève pour aller à l'école. Et nous, notre travail, c'est comme les autres, en fait. C'est comme les autres travaillent. D'être comme mon moniteur jettera. Parce que quand je serai une grande mannequin, je veux avoir mon propre agence. Et suivre les pas. Je suis les mêmes pas que mon moniteur, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, je veux être, si je serai une grande mannequin, je veux avoir mon propre agence pour aider les gens qui veulent s'intégrer et qui veulent devenir des mannequins. Le conseil que je leur donne, c'est d'avoir confiance en eux et d'être fort pour avancer. Parce que s'ils ne sont pas forts, hein, ils vont abandonner très vite, parce que s'intégrer dans le milieu de mannequinat, c'est pas facile, avec tout ce qu'on raconte sur ce milieu. Alors je leur conseille d'être fort et croire en eux. Ben, je remercie en premier lieu Jetra, parce que c'est grâce à lui que je suis ici. Oui, je le remercie. Et toute l'équipe de 3D Pro aussi. Je remercie Sabali, Am, Kadiachou et aussi, surtout, mes parents, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, parce que c'est grâce à eux que je suis